Salut et bienvenue. Si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes curieux de connaître cette histoire. Vous êtes peut-être aussi un peu courageux parce que les sujets sont très très variés. Mais avant même de commencer, il faudrait déjà s'arrêter une seconde. Vous ne me connaissez pas. Il faudrait avant tout que je me présente un peu. Mon nom est Sébastien, je suis né en 1973 au Québec, donc dans une province canadienne d'origine française, Ensuite, j'ai passé mon adolescence en Ontario, donc dans une province d'origine anglaise. En conséquence, ma culture est un étrange métissage de deux cultures, parfois qualifiées de deux solitudes, puisqu'historiquement, ces deux peuples fondateurs du Canada ont eu tendance à s'ignorer mutuellement. Mon père était un ingénieur chimiste pendant quelques semaines avant de devenir vendeur, et ma mère était enseignante au primaire avant d'avoir des enfants. Avec mes yeux d'adulte, je considère que ma famille était relativement moderne et avant-gardiste pour l'époque, c'est-à-dire que mon père s'impliquait plus à la maison que les autres hommes de sa génération, tandis que ma mère faisait partie des féministes qui remettaient en question le modèle ancestral de la femme au foyer. Dès que j'ai eu l'âge de quitter le foyer familial, je suis revenu au Québec pour terminer mes études, et en 1995, à l'âge de 22 ans, malgré le fait d'avoir eu d'excellents profs d'histoire au cours de mes études, j'ai décidé de faire un bac en informatique. Cette année-là aussi, donc en 1995, le Québec refusa son indépendance du Canada par vote démocratique. Et cela, pour la seconde fois de son histoire. Puisqu'il s'agissait de mon peuple d'origine, j'avais suivi le mouvement avec beaucoup d'intérêt. Et à cette époque, je l'avoue, j'avais été très déçu par la tournure des événements. Mais en même temps, je me demandais si ce refus d'exister changeait vraiment quelque chose pour l'humanité. Puisque de nombreuses autres cultures sont disparues dans le passé tout au long de l'histoire. J'ai appris très jeune, comme presque tout le monde, à écouter mes parents, à vivre en harmonie avec mon prochain et bien sûr, à espérer un monde meilleur pour le futur. Comme tout le monde qui est allé à l'école, j'ai appris plein de concepts. Mais quel est le lien entre un poisson, un babylonien et une chanson d'Elvis Presley? En gros, je suis comme la plupart d'entre vous, je n'ai fait aucune découverte scientifique importante par moi-même. Je n'ai gagné aucun prix Nobel et je n'ai aucune idée de ce que je fais ici, moi non plus. Dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de voir une série télévisée qui s'intitulait Il était une fois l'homme. Cette série retraçait en dessin animé l'histoire de l'humanité à partir des origines de la Terre, quoique le premier épisode allait très très vite, de la Terre primitive jusqu'à l'âge de Pierre. Mais je suis quand même resté avec l'impression qu'il était possible de raconter la grande histoire de tout tout tout. Autour de l'âge de 30 ans, j'ai commencé à chercher un début de réponse qui expliquerait un peu comment j'en étais arrivé là. Où sont mes racines? Naturellement, je me suis tourné vers l'histoire du Québec, en espérant y retrouver mes ancêtres. Mais peu importe où je commençais, il y avait toujours un avant qui expliquait comment eux étaient arrivés là. À force d'aller voir avant, j'ai eu l'impression de lire l'histoire en sens inverse. Je lisais à partir du présent, en reculant le temps. Alors stop, j'ai décidé de tout recommencer à partir du début. Suite au refus d'exister de mon peuple, à cause aussi de mon intérêt pour les histoires qui tentent de tout raconter, et de mon profond désir de comprendre, malgré les contradictions, malgré l'absurdité, malgré les incertitudes qui entourent notre existence, malgré les querelles de notre époque entre la science et la religion, donc malgré tout ça, les nombreux concepts que j'ai appris tout au long de ma vie m'ont incité, au cours de la dernière décennie, à tenter de résumer et de vulgariser tout ce que j'ai pu trouver, dans le but d'avoir un récit détaillé, cohérent et chronologique. Bien sûr, la quantité d'informations est trop grande, et j'ai dû faire des choix. Certains détails ne m'ont pas semblé importants. Des fois j'ai eu tort. Si vous connaissez bien un domaine, vous penserez sûrement à des choses dont je n'ai jamais entendu parler. Et pire encore, puisque j'enregistre ceci dans le passé, du moins en ce qui vous concerne, vous avez aussi l'avantage de m'écouter dans mon futur. Euh, bref, vous savez sans doute des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Donc, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Alors, quel est mon rôle dans cette histoire Pourquoi Et vous Que faites-vous ici Chacun sa démarche, dit-on. Ceci est la mienne. En discutant avec d'autres personnes, j'ai rapidement vu que nous sommes tous fascinés par la vie et que nous nous posons tous des questions auxquelles personne n'a de vraie réponse. En fait, pas besoin de chercher longtemps pour voir que le monde conserve encore une grande part de mystère. Heureusement pour nous, il y a quand même des indices faciles. Le monde, par exemple, a l'air d'avoir existé longtemps avant nous et le monde a de bonnes chances de continuer longtemps après notre mort. Première conclusion, donc, je ne suis pas le nombril du monde. Et vous non plus. Certains diront que c'est encore trop tôt pour avoir toutes les réponses. L'espèce humaine est encore jeune, oui, mais nous semblons être sur la bonne voie. Nous sommes les premiers sur la Terre à vraiment regarder les étoiles. Serions-nous les premiers dans l'univers à scruter le cosmos Est-ce que l'ampleur de notre univers serait passée inaperçue si l'espèce humaine n'était pas apparue une chance pour nous, nos ancêtres aussi se posaient des questions. Au fil des générations, à force de bonnes intuitions et de découvertes, nos connaissances ont progressé. Grâce à nos ancêtres, aujourd'hui, nous comprenons mieux le monde. D'un autre côté, nous traînons encore tout un bagage de réponses ésotériques douteuses et de remèdes de grand-mère aux propriétés magiques. On dit aussi que c'est la nature humaine de se poser des questions. Dès leur plus jeune âge, les enfants demandent pourquoi. Maman, pourquoi ci Papa, pourquoi ça Pourquoi 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 Naturellement, quand on est jeune, on pense que nos parents détiennent toutes les réponses. Et quand arrive l'âge de constater les lacunes de nos parents, on pense pouvoir réussir là où ils ont échoué. Hmm. Mais si on tente vraiment de chercher, tout à coup, on découvre que nos connaissances héritées du passé, comme la science et les religions, pour ne nommer que ces deux sphères, nos connaissances héritées du passé sont très diversifiées et peuvent prendre plusieurs formes, parfois ouvertement contradictoires. Alors jusqu'à quel point pouvons-nous faire confiance à la science et à l'histoire On sait que même nos propres sens peuvent nous décevoir. Par exemple, à première vue, la Terre semble parfaitement plate. Et le Soleil nous a longtemps donné l'impression de tourner autour de la Terre. Alors d'affirmer que la science détient des vérités absolues serait se renfermer dans une vision imparfaite de ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Mais inversement, douter de tout n'est pas plus utile. Si on regarde à l'échelle atomique, par exemple, on voit des atomes d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, et ainsi de suite. L'air que je respire fait-il partie de moi Où se termine mon propre corps Et où commence celui du lion qui court vers moi Ah mais qu'est-ce qu'un lion? Un lion existe-t-il vraiment? Nous dépendons des informations auxquelles nous faisons confiance, et notre survie dépend des choix que nous faisons. En science, la tendance est de rejeter tout ce qui n'est pas prouvé, et de toujours garder la porte ouverte au cas où l'on trouverait d'autres informations. Et dans chaque cas, si vous voulez vérifier l'authenticité d'un énoncé par vous-même, vous pouvez le faire. À notre époque dite moderne, nous faisons la distinction entre la science qui n'a pas de morale et la religion qui n'a pas de preuve. Ces deux pôles semblent s'opposer l'un à l'autre avec virulence, tandis que ni l'un ni l'autre ne semble détenir la vérité absolue. Même si la science paraît très avancée, les religions peuvent encore la narguer en affirmant que la science n'a pas réponse à tout. La science pourrait-elle un jour avoir réponse à tout c'est peu probable, même si la science avance de plus en plus vite et corrige régulièrement ses théories. À ce sujet, nous avons fait des progrès scientifiques sans précédent tout au long du 20e siècle, mais nous devons toutefois admettre que les dernières grandes découvertes n'ont fait que renforcer la théorie de l'évolution. Désormais, ce sont les détails qui se précisent pendant que les grandes lignes changent de moins en moins. Nous pouvons découvrir des choses incroyables, telles le boson de Higgs sans trop changer l'ensemble des théories existantes, comme par exemple la Terre qui tourne autour du Soleil. Autrement dit, chaque fois que nous franchissons une nouvelle étape dans nos connaissances, une très grande partie du travail du passé est récupérable à l'étape suivante. De leur côté, les grandes religions de notre époque idéalisent des textes anciens immuables, donc qui ne changent jamais. Ces textes sont pleins de sagesse, oui, mais avec le temps, les anachronismes s'accumulent et cadrent de moins en moins dans une société en évolution. De plus en plus de gens semblent remettre en question les textes religieux et l'humanité semble peu à peu lever le nez sur des croyances millénaires. Alors que conclure de cela Depuis quelques années, un nouveau courant religieux tente de remédier aux incohérences des anciens textes chrétiens en adoptant les grandes lignes de l'évolution. C'est le dessin intelligent, ou Intelligent Design en anglais. Et ce dessin intelligent se distingue des créationnistes peu et durs. Donc selon le point de vue du dessin intelligent, le monde serait bel et bien en évolution, mais il serait trop complexe pour être le résultat du hasard. Il doit nécessairement avoir été guidé par quelque chose d'au-delà de la nature, comme si une sorte de souffle vital animait la matière. En Voltaire, qui vivait au XVIIIe siècle, donc bien avant le dessin intelligent, Voltaire utilisait l'exemple suivant. Une horloge ne pourrait jamais se former naturellement sur la Terre. Et sa présence implique qu'il doit exister un horloger. Autrement dit, notre monde, comme l'horloge, serait trop complexe pour émerger par hasard. Et le fait que le monde existe implique la présence d'un Dieu. Alors, remédier à des textes religieux, en expliquant l'évolution à l'aide d'interventions divines lorsque la science n'a pas de réponse, est ridicule et n'ajoute rien à l'explication. Même que ces nouvelles croyances inventées de toutes pièces témoignent de notre ignorance à tous, et ces croyances deviendront vite embarrassantes dès que nous trouverons de meilleures réponses. En malgré tout, malgré les contradictions, malgré l'absurdité de ce qui nous entoure, Faisons-nous partie de quelque chose de plus grand que nous De quoi peut-il s'agir Et qui dit vrai Dieu existe-t-il Ou y a-t-il plusieurs dieux Ou une force cosmique mystérieuse Des énergies En fait, mon but n'est pas du tout d'ébranler vos croyances. Je laisse toutes ces questions à d'autres. Mais pour être franc avec vous, les efforts déployés par les adeptes du dessin intelligent me semblent totalement absurdes. Cela dit, ceci n'est que mon opinion personnelle. Et il serait prétentieux de ma part de vouloir confirmer ou infirmer l'existence de Dieu. Sans doute devrais-je insister encore une fois afin d'éviter les malentendus. Ce récit ne tente pas de nier l'existence d'un être divin. En ce qui vous concerne, vous êtes libre de croire ou non aux diverses théories présentées ici. Bon. Alors, la théorie de l'évolution est-elle purement spéculative La question semble encore d'actualité. Malheureusement, il faut simplement accorder le bon sens au mot. En théorie, cela veut dire spéculativement. En science, la théorie doit être vérifiable par une expérience ou une observation. C'est-à-dire que la science est basée sur une méthode empirique, et chacun de nous peut vérifier l'exactitude d'une théorie scientifique avant de l'accepter. La théorie de l'évolution, elle, est un ensemble de nombreuses théories scientifiques qui forment un tout cohérent et crédible, et ces théories ne sont pas au-delà de nos capacités. L'essentiel est accessible à tous. C'est le produit de nombreuses générations de contributions, de questionnements et de remises en question méthodiques. C'est notre meilleure hypothèse, mise à l'épreuve de tous, celle qui a obtenu le plus de crédibilité par ses nombreuses preuves, mais ce n'est pas la vérité absolue. Le fil conducteur de l'évolution, c'est le temps, qui forme une histoire cohérente avec nos connaissances éparpillées. Cet ouvrage est un récit chronologique qui tente de résumer et de vulgariser ce que nous avons compris du monde qui nous entoure. Un tel récit ne peut évidemment pas tout couvrir ce qui s'est passé, ni tout expliquer le comment du pourquoi. Donc, grosso modo, nous serions rendus à peu près là. Nous allons suivre une sorte d'échelle logarithmique du temps. Autrement dit, le temps ralentit à mesure que nous approchons notre époque. Plus précisément, notre univers aurait un peu plus de 13 milliards d'années. Les cinq premières parties parlent des neuf premiers milliards d'années de l'univers, et nous allons aborder l'histoire cosmique qui mène du Big Bang jusqu'à la formation du système solaire. Les cinq parties suivantes donc, les parties 6 à 10 couvrent presque la totalité des 4 milliards d'années restants, c'est-à-dire de l'apparition de la vie sur Terre jusqu'à l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les parties 11 à 15 racontent 62 des 65 millions d'années restants, donc des primates jusqu'aux australopithèques. L'âge de pierre commence il y a 3 millions d'années, à la 16e partie. Les Homo sapiens apparaissent il y a un peu plus de 100 000 ans, à la 19e partie et la dernière ère glaciaire se termine il y a 12 000 ans au cours de la 23e partie. Les 12 parties restantes maintiendront une cadence moyenne d'environ un millénaire par partie jusqu'au présent, en couvrant des époques légèrement plus longues à la 24e partie qu'à la 36e partie. Alors, le but de cette démarche n'est pas tant de vous convaincre que de stimuler une réflexion, en offrant une vue d'ensemble des grandes lignes. Rappelez-vous, il n'y a pas de vérité absolue. Tout au long de cette histoire, j'ai tenté d'éviter de donner du crédit à quiconque pour leur découverte. Pourquoi Parce que ce récit n'est pas un cours d'histoire de la science, donc ces détails alourdiraient les récits, et entre vous et moi, je trouve ingrat d'attribuer tout le crédit d'une quelconque découverte à un seul individu, fût-il Einstein ou Darwin, qui sont d'ailleurs nommés au passage, puisque chaque découverte est en fait le résultat d'un long processus et qu'elles peuvent se produire plusieurs fois ou être faites par plusieurs personnes différentes. Si je dois donner du crédit, il doit d'abord aller à ceux qui tentent de rendre cette information compréhensible pour le grand public, comme par exemple Hubert Reeves, Stephen Jay Gould, Eric Chesson, David Christian, Yves Coppens, Pascal Pic, Stephen Mython, et heureusement pour nous beaucoup beaucoup d'autres qui seraient trop longs à tous nommer. J'estime que vous êtes capable de raisonner, et que vous êtes muni d'un esprit critique. Il serait surprenant, voire inquiétant, que vous soyez d'accord avec tout ce que je vais raconter. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Chacun sa démarche. Alors Je ne suis ni astronome, ni biologiste, ni archéologue. Cela dit, aucun de ces spécialistes n'est expert en tout. Est-ce à dire qu'une seule personne ne peut pas comprendre la totalité de notre histoire? Je suis informaticien et ma spécialité, on appelle ça parfois des déformations professionnelles. Donc ma spécialité m'incite à me concentrer sur une séquence chronologique des événements pour vous donner une impression générale et globale de notre histoire à tous. Je crois sincèrement que vous êtes tous capables de comprendre. Mon but est de vous faire réfléchir. Mais je peux me tromper. À l'heure actuelle, Internet et les réseaux de communication sont en train de changer le monde. Partout sur la Terre, les populations rattrapent les retards technologiques et nous sommes sur le point d'atteindre un sommet inégalé à l'échelle mondiale. Nous sommes tous dans le même bateau et chacun de nous peut faire avancer les choses. Voici donc mon histoire, qui est aussi la vôtre. Mais stop Avant de commencer le récit, puisqu'il commence par des événements radicalement différents de notre réalité quotidienne, une petite mise au point s'impose déjà. Nous parlerons souvent du hasard dans cette histoire. Après plus de 140 millions d'années de succès ininterrompus, qui aurait pu prédire que le règne des dinosaures se solderait par un échec L'être humain, lui, n'aurait jamais vu le jour si les dinosaures ne s'étaient pas tous éteints subitement. Cela dit, l'être humain n'est pas une finalité de l'évolution. Comparé à la longue évolution d'une espèce, l'échelle de nos courtes vies ne compte pratiquement pas. Et il est facile d'oublier que la nature n'a pas d'intention. Elle pourrait très bien continuer sans nous. Alors, le simple fait d'être vivant aujourd'hui implique que nos ancêtres ont eu une chance inouïe. On pourrait même facilement croire que les dés sont pipés en notre faveur. En fait, absolument tous les êtres qui sont vivants aujourd'hui, vous et moi, mais aussi tous les autres, les animaux, les insectes, les plantes, les bactéries, etc., tous les êtres vivants aujourd'hui proviennent de lignées qui ont surmonté toutes les embûches, du début jusqu'à la fin de notre histoire. Absolument tous les ancêtres de toutes les espèces vivantes aujourd'hui ont réussi à vivre jusqu'à l'âge adulte et se reproduire avant de mourir. Chacun de vos ancêtres, sans exception, malgré les maladies, les prédateurs et les accidents. En soit, autant de chances paraît impossible. Mais n'oublions pas la multitude d'autres êtres qui, eux, ont échoué. Est-ce possible que le monde soit le produit du hasard, que tout commence au Big Bang, que la vie ait émergé des matériaux banals trouvés sur la surface de la Terre La part du hasard est parfois difficile à comprendre. Quelles étaient les chances que vous entendiez ces mots exactement au moment où vous les avez entendus ben, À peu près zéro. Personne n'aurait pu le prédire. Mais ce n'était pas impossible. Faut-il s'étonner que des événements improbables se produisent? Alors, par exemple, lorsqu'une balle de golf tombe sur l'herbe, le brin d'herbe qui se fait écraser pourrait se demander ah, « Pourquoi moi? » et il aurait raison de s'indigner de son sort. Quelles étaient les chances que la balle tombe exactement sur lui? Ben, à peu près zéro. Mais à l'inverse, la balle, elle, avait 100% de chances de tomber sur un brin quelconque. Avant de commencer le récit, soulignons aussi que cette histoire commence par le plus grand mystère de tous d'où vient l'univers Or, la science ne peut même pas nous aider à l'heure actuelle. Il existe bien des théories qui séduisent plusieurs chercheurs, comme par exemple la théorie des supercordes. En fait, il existe une multitude d'hypothèses, impossibles à toutes nommer. Il y a la gravitation quantique à boucle, la géométrie non commutative, la relativité d'échelle, les univers parallèles. Ou plus récemment, des trous noirs cosmiques qui explosent. Sauf que ces théories sont encore très jeunes et naturellement très contestables. En science, cette première interrogation reste sans réponse parce que nous n'en avons pas. Toutes les explications sont improuvables parce que nous ne pouvons pas observer la preuve directement. En ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, sera-t-il toujours hors de notre portée Les progrès scientifiques du dernier siècle à eux seuls, nous laissent espérer que non. Alors nous continuons de chercher. Alors, il faut savoir qu'en science, une théorie n'est jamais vraie. On essaie de prouver qu'une théorie est fausse, et à chaque échec, la théorie devient un peu plus vraie. Au mieux, elle ne peut donc être que notre meilleure hypothèse. Les théories les plus crédibles sont celles qui prédisent des faits vérifiables par observation. À ce jour, après avoir été validée ou critiquée par des scientifiques à travers le monde, la théorie du Big Bang est devenue la théorie la plus largement acceptée. Par contre, le Big Bang ne dit pas pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Il explique seulement ce qui se passe après que l'univers ait commencé à exister, autrement dit lorsqu'il devient vérifiable. La théorie du Big Bang implique même qu'il est impossible de savoir ce qui s'est passé avant. La science est basée sur des phénomènes observables, donc composés de matière et d'énergie. Et ces phénomènes se produisent dans le temps. Donc avant la matière, avant l'énergie et avant le temps, par définition, il ne peut pas y avoir d'événement. Et la science est impuissante à décrire ou prédire quoi que ce soit. Peut-être aussi est-ce seulement un problème relié aux mots que nous utilisons, qui nous emprisonne dans une vision partielle de la réalité. Alors, même si la science n'explique pas tout et qu'elle n'est pas parfaite notre époque a un parti pris pour elle ce récit qui s'inspire largement des découvertes scientifiques récentes n'est pas une exception à la règle il est donc utile de savoir que le vocabulaire adopté par la science décrit un certain degré de certitude que nous avons par rapport à tel ou tel énoncé alors indépendamment de leur discipline les scientifiques prennent généralement le soin de ne pas confondre les termes suivants en premier lieu il y a la croyance. Alors une croyance est une simple intuition ou une opinion personnelle et elle n'est pas nécessairement logique. Par exemple, un enfant qui croit au Père Noël. Ensuite, il y a l'hypothèse. En science, une hypothèse doit suivre une certaine logique empirique ou être observable, c'est-à-dire si elle veut être éventuellement supportée par d'autres observations ou expérimentations. À force de passer des tests, sa crédibilité augmente. Nous ne pouvons jamais prouver qu'une hypothèse est vraie, seulement essayer de la démentir. Alors, par exemple, telle marque de savon lave mieux que telle autre marque de savon. Ensuite, il y a le modèle. Grâce à un certain nombre d'observations, un modèle sert à prédire des phénomènes avec une bonne approximation. Par exemple, un mâle et une femelle d'une même espèce peuvent se reproduire ensemble. Ensuite, il y a la théorie. Une théorie résume une ou plusieurs hypothèses. Qui sont elles-mêmes supportées par des tests. Mais pour obtenir le statut de théorie, un énoncé doit avoir été mis à l'épreuve par des tests, des expériences et des observations. Et comme l'hypothèse, elle n'est jamais considérée comme vraie, seulement comme la version officielle tant qu'elle ne sera pas contredite. Autrement dit, c'est l'hypothèse acceptée comme étant la meilleure explication. Par exemple, la théorie voulant qu'une météorite ait aplati une forêt sibérienne au début du 20e siècle n'est pas un fait objectif. C'est notre hypothèse la plus crédible pour expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, il y a la loi. Lorsqu'une loi est énoncée, l'intention est d'expliquer la réalité en généralisant plusieurs observations pour lesquelles il n'existe aucune exception connue. Par exemple, la loi gravitationnelle décrit un phénomène, mais elle ne dit pas pourquoi. Et finalement, le plus haut lieu de la certitude, c'est le fait. Un fait, c'est une observation incontestable le plus proche possible de la vérité, sans nécessairement l'atteindre. Par exemple, la tour Eiffel est à Paris. Alors pour le moment, absolument toutes les théories du pourquoi l'univers existe sont équivalentes, parce que nous ne pouvons pas prouver qu'elles sont fausses. L'univers existe parce que je le veux est une théorie valable, même si elle n'est pas très très crédible. Alors avant de terminer cette introduction, même si j'ai dit que je ne voulais pas vous convaincre, ni vous dire quoi penser, Ici, je me permets de vous influencer fortement en mentionnant deux lois de la thermodynamique. La première loi dit qu'un système fermé, comme notre univers, ne peut pas créer ni enlever d'énergie. Autrement dit, rien ne se crée et rien ne se perd. La seconde loi de la thermodynamique dit que tout travail dans notre univers, donc tout ce qui se produit, est le résultat d'un transfert d'énergie entre deux objets. Autrement dit, la capacité de changer dans notre univers, dépend des inégalités de distribution de l'énergie. Cette seconde loi implique que toute l'énergie aura tendance à s'éparpiller jusqu'à ce qu'il y ait la même quantité partout. Autrement dit, lorsqu'il y aura la même quantité partout, il sera impossible d'effectuer quoi que ce soit dans l'univers. Tout au long de ce récit, je vous recommande donc de porter une attention toute particulière au jeu d'énergie en vous rappelant qu'ils sont à la base de toutes les structures dans notre univers, incluant vous et moi. Bon, nous avons dit que le plus grand problème avec le début de cette histoire, c'est qu'il ne ressemble en rien à notre réalité quotidienne. Il est difficile d'imaginer que tout ait pu commencer ainsi. Raconter l'histoire en sens inverse, en partant d'aujourd'hui, un peu comme je faisais au début de mes recherches, euh, raconter l'histoire en sens inverse semblerait peut-être plus réel et plus crédible, et nous pourrions suivre nos ancêtres, sauf que nous perdrions vite leurs traces par manque d'informations. De toute façon, en quelques générations seulement, nous n'aurions plus affaire à des gens que nous avons connus vivants. En peu de temps donc, nous aurions affaire à de purs inconnus. Alors autant commencer par le début et laisser le temps faire son œuvre. Tout naturellement.